là, la presse parlait, écrite et télévisée. Médias en ligne. Je dis à nous connaître le 25 novembre, qui est la journée internationale contre la violence qui a fait sous forme de comme nous connaissons l'île comme haïtienne pour reconstruction, notre objectif est de dénoncer la violence, dénoncer tout ce qui a fait qui n'est pas bon sous forme de critique. Et bien, notre objectif, ça, matin, nous venons là pour nous capables de faire une conférence de presse dans le cadre de la journée internationale contre la violence qui a fait sous forme active. Notre objectif, ça, n'a pas fait, madame. Votre parole, nous, madame Descobet, qui va faire suite pour nous. Violence qui a fait sous forme active, c'est violation de l'amour. Nous pas qu'à faire silence. Faut que nous continuions à dénoncer ça. Quitte ces violences physiques, quitte ces violences sexuelles, quitte ces violences économiques, quitte ces violences physiologiques. Déclaration sous élimination de la violence qui a fait sous forme qui était signée par les Nations Unies en 1993 définie. Toutes actes violence qui fait sous femme ou bien qui a dommagé la femme ou bien belle souffrir dans le col, dans le sexe, dans le maïli et puis tout qui menace lui, fait le pas jouer dans la société ou bien dans la vie privée. C'est violence fondamentale. Cette violence qui a fait sous femme actifi déranger toute société. Tant pour empêcher les filles qui finit l'école li, et bali go prise qui fait pas ka faire face à l'avenir li demain. Violence qui a fait sous forme active pour prouver développement dans un pays et bay en pile problème pour la paix dans une famille. Violence qui a fait sous forme active empêcher li jouer rôle li à droit fondamental. Les nous songe société ça. Li formé des femmes à garçons. Nous demandons qui a venu pays d'Haïti. Les violences qu'a fait sous forme active a continué à valer terrain comme ça. Chaque jour plus, c'est viol sexuel, maspinaille, kidnapping et assassinat. Tout droit fondamental société a même qui menacé les femmes à souffrir comme ça. C'est ça que fait, nous avons demandé pour les coordonnateurs qui sont capables d'enchaîner pour nous de tout ça nous identifier comme problème dans la société pour violence sous forme active. Sorti janvier arrivé, mois de juin 2020, il y a 243 personnes qui ont violence pour aller dans Port-au-Prince. Et puis tout prend mai arrivé juillet dans le quartier populaire, il y a 145 personnes qui mourent. Là-dedans, nous identifions 18 femmes, 5 petites filles et 2 autres filles qui disparaissent. Nous jouons tout 18 femmes qui ont violé. Il y a tout 28 personnes qui sont blessées à l'examen. Là-dedans, il y a 5 femmes et 8 filles. Nous continuons, en septembre, arrivé dans le mois de novembre, il y a 24 personnes qui mourent à l'examen et il y a 7 femmes. Il y a un policier qui mourit. Ça veut dire femme toujours. Puis plus, nous connaissons qui dernier cas qui indigne toute population, qui révoltant et qui touche nous dans 20 nous. C'est cas Evelyne Sincère. Yo violé, kidnappé, bat et yo lagué sous une fatra 1er novembre qui s'est passé là. Il y a un policier tout qui perdit la ville dans un club Pétionville. Il y a une femme qui a fait stage, patron violé et puis tout y est. Il y a une autre femme tout dans la ville Okaï, dans le sud pays, qui a décapité ces petits morceaux qui ont joint. Sans compter un paquet de petits monde dans la grande danse, spécialement dans Jérémy, qui a violé et qui a fait ça. Même rivé tombé enceinte. L'effort, l'effort haïtien pour reconstruction, tout profiter de conférences de presse pour dénoncer cette violence qui a fait sous Tifi dans le quartier populaire, dans le Koubelè. Côté, un paquet
l'école qui fermait, si moun sa yo pas à l'école ou bien pas à sorti à l'école. Nous voulons dénoncer cette violence. Et puis tout, gagner maman assassin. Alors, maman présumé assassin qui était tout le journaliste Néomi, Nami Balin, comme nous connaissons dans le droit pénal, responsabilité personnelle, ils ont arrêté maman depuis l'air parce qu'ils n'ont pas joué une présumé assassin et maman a couru dans la prison depuis l'air. Nous avons tous nos paquets de femmes qui sont en prison qui n'ont pas jamais passé devant le juge naturel. Nous avons tous nos femmes qui ont mis en prison à Kaye parce qu'elles ont dit qu'elles volaient trois sacs pour avec. Nous avons depuis 2011, merci, nous avons madame policier qui a eu des bras ballants dans la RIA. Parce que tous les maris n'exercent pas fonction et l'État n'a pas responsabilité face à Mounsa qui l'a gué sans mal. Nous demandons à toute autorité qui concerne prendre responsabilité nous ou bien quitter poste nous. Pas les gens qui sont capables de faire plus bien place. Là. Nous demandons au président Jovenel forcer autorité qui concerne prend bon genre décision qui pour mettre sécurité dans la population. Parce que femme c'est maman, femme c'est la vie, femme c'est l'avenir, femme c'est espoir. Alors c'est pour ça, Ligue Femme Haïtienne pour reconstruction, mande toute autorité, l'État, pour être capable de prendre responsabilité, pour être capable de faire des violences qu'a fait sur femme active. Et il faut tout profiter pour questionner sur le ministère conditions femmes qui t'a supposé dénoncer un acte de violence qui a fait sur femme active et qui fait silence et silence qui a faire le complice. Nous demandons à tout le monde qui est dans la société civile, organisation femmes spéciales, organisation droit monde, l'église, Vodourisan, la presse, tout le monde, levez voix nous ensemble pour nous dire assez parce que faut cette violence qui a fait sur femme active Kaba dans le pays d'Haïti. Et c'est peut-être ça, l'IFER qui c'est Ligue Femme Haïtienne pour reconstruction, mettant ensemble avec partenaire, décider de continuer le travail sensibilisation société, mettez ensemble avec partenaire qui c'est Assedia. Ensemble avec Ajak, identifier artistes qui sont capables d'aider le porter message sensibilisation ça. Et c'est ça qui fait dimanche 4, 6 novembre, dans 6 décembre, merci, 6 décembre 2020, dans le gymnasium Vincent qui est dans Riel Romain, zone Chamas, l'IFAR et partenaire Lio Assedia avec Ajak. À mettre avec un paquet d'artistes qui sont dans la troisième circonscription parce que c'est là Evelyne Sincère qui est rete à l'école ensemble avec une petite fille qui a été assassinée, qui a eu 5 ans, qui a tout été dans la troisième circonscription Port-au-Prince. Et bien, artistes dans la troisième circonscription, à mettre ensemble avec l'IFAR, avec Assedia, avec Ajab, mettre ensemble avec Daline Desca, avec Misty Jean comme artistes invités. Eh bien, nous allons offrir un gros spectacle de sensibilisation pour nous porter la population à faire passer le message pour nous couper cette violence qu'a fait sous femme active. Nous disons, vivons une société sans violence sous femme active, vivons un pays d'Haïti côté femme active à vivre sans qu'elle saute, vivons l'État qui a pensé sous politique de sécurité pour protéger femmes actives parce que violence qu'a fait sous femmes actives c'est violation droit monde. Merci. Effectivement, les gens ne sont pas connus. Nous connaissons mon dossier là, qui est en rôle avec Jacques Dalou Jamba, la Fédération Football non, déjà blanchi, le métier, Mani a vu pour faire activité football. Mais par contre, toujours dans le cas de viol livré sous mineur, et la justice haïtienne, blanchit.
et ça a été pensé de ça. Comme nous avons quelques droits, nous respectons. Bon, c'est une bagarre. Alors, c'est l'objectif principal de l'IFA qui s'est dénoncé la violence qu'a fait sous forme artiste. Eh bien, l'IFA a dénoncé ça déjà et l'a continué à dénoncer. Et nous pensons que les exemples qui pourraient tracer dans la société, les gens qui ont fait violence violences sous forme actif, il faut que la justice fasse travail. Côté l'attendre, la juger, si le jeune cas pour le condamner, pour le condamner, et puis pour qu'il y ait en prison, pour que ça ne soit pas multiplié dans la société. Alors, dans ce sens, il faut demander la justice pays d'Haïti pour faire travail, côté pour chercher bon Jean-Paul depuis Dadou. Et responsable, coupable de toutes ces violences, il faut qu'ils arrêtent le juge et qu'ils mettent en prison.